will be vain, and the very outcome of events such as the one we are attending today risks not to produce the results that history expects from all of us. As leaders, we owe this to our future generations. Since our commitment to protect the environment as part of our identity is the most vivid example of the alliance between those who are here, those who were here, and those who will come after us. Italy will provide its fair share. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany. Your Excellency. Excellenzen. Excellencies, ladies and gentlemen. Russia's brutal war against Ukraine is challenging the European and international peace order in a fundamental way. Its impacts are felt globally by prices for energy and food that are shooting up. But there is another thing that this war of Russia makes very clear to us. The transition to renewable energy sources and saving fossil fuels. This is not only a necessity in forward-looking climate, economic, and environmental policy. Des habitats, des écosystèmes, des espèces vertébrées. Donc vous voyez que c'est à la fois un trésor de biodiversité et un trésor pour le climat. Simplement, jusqu'à présent, dans nos mécanismes, on savait financer le reboisement, les flux, mais on ne finançait pas bien la conservation. Or, il y a un coût d'opportunité pour beaucoup d'États qui les portent. Et donc, on a engagé tout à l'heure ce travail, ce matin, avec Conservation International, avec, là aussi, la Banque mondiale et plusieurs autres fonds, la Chine, les États-Unis et plusieurs pays bénéficiaires. Et donc, la Colombie, le Gabon, les Philippines se sont engagés dans cette initiative. Le Rwanda est là, mais je pense, s'y joindra, m'a demandé un peu de temps. Et donc, on va définir, sur la base de ce qu'on a fait pour les projets de transition climatique, de préservation positive, pour avoir une même méthodologie, des financements, et les proposer à ces pays pour qu'ils puissent garder ces zones qui sont si sensibles. Et donc là, on a un point de rendez-vous qui sera notre One Forest Summit, qui se tiendra à Libreville au premier trimestre 2023, auquel je me rendrai et que la France coprésidera avec le Gabon. Deuxième initiative très importante qu'on a pu tenir en marge de la COP, qui a permis aussi d'avancer, on a mandaté un groupe de haut niveau pour les crédits biodiversité. La troisième était sur les financements innovants dont je vous ai rendu compte dans le schéma plus large. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je pense au contrôle de nos négociateurs, des ministres. Alors, Al-Jadid. Pour le Parisien, justement sur ces systèmes innovants de financement, est-ce que vous pouvez préciser qui va composer ce Conseil des Sages? Et puis avec un premier point d'étape dans 6 mois, est-ce que vous avez entendu les associations? Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on est à la hauteur de l'urgence climatique? Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'en fait, on voit bien que la difficulté qu'on a sur cet agenda, c'est que les sujets humanitaires, les sujets d'aide au développement sont en train de rentrer en collision avec les sujets climatiques.